Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce retour sur A Long Way Down. On a terminé du coup le run Legend of Keepers, mercredi, et donc du coup, j'ai pu constater que A Long Way Down, ils avaient rajouté des donjons, et j'avais bien envie d'en faire. Du coup, j'en profite pour que cette petite continuité Goblin Studio, on se remette sur A Long Way Down. On était donc arrivé au giron de Maman Brigitte. Un nom ma foi prometteur. On avait toujours Sam et Nephi, nos deux personnages. La dernière fois, j'avais préparé la suite, donc on n'avait plus rien à faire de particulier. On va donc se lancer directement à l'attaque. Alors, oh, on a Marcus ici. Protéger Marcus. Je perçois une aura familière. Je sais plus exactement quelle voix je faisais, mais je vais essayer de m'y coller. Marcus! Ok, ce fut rapide. Alors, du coup, à quoi ça ressemble? On a des nouveaux monstres, on dirait ici. Thunderwolf, il est rapide comme l'éclair. Et un prisme, un curieux golem animé par une énergie inconnue. Ici, on a la petite relique électrique standard. C'est quoi ce truc-là? Foudroyeur, une machine ésotérique expérimentale. Ok, rien que le nom, on voit pas du rêve. Ici on a une armurerie. Ici une armurerie, pour l'instant c'est pas forcément très utile. Ici on pourrait déclencher deux trucs pour aller chercher une tuile. Enfin, tout un tas de tuiles. Piège, un piège qui peut blesser les monstres comme les héros. Ok, ici on a un coffre. Il faut qu'on active les foudroyeurs hein, comme objectif. Où est le deuxième? Il est là. Ok. Donc du coup, le plus logique serait de partir par là. Encore que de toute façon, il va falloir qu'on pète des murs. Donc on va peut-être partir par là et aller voir un peu comment on peut gérer ce mec. Ça, c'est pas possible, ça. On va devoir mettre ça. Hop. Et on va tout de suite commencer par un petit combat pour tester notre nouvel équipement, puisqu'on n'a pas eu l'occasion hein, de tester notre nouvel équipement suite au dernier truc. Alors, oh, et maintenant on a une interface encore plus jolie. Je bois une gorgée de café et je suis à vous. Alors, du coup, maintenant on voit. On a accès toujours à notre attaque, mais on a aussi accès à notre armure en permanence. Avant, c'était une carte qu'on piochait. C'est plutôt cool. On a donc attaque tranchante x2. En face, on a quoi? Ouf, 425 PV, 550 PV. Ah oui, ça, on est passé sur un autre niveau déjà. Lui, il fait quoi? Tonnerre, assomme 55 à 66 de dégâts et assomme la cible pendant un tour. Et ça, ça augmente l'attaque du lanceur de 40% pendant 2 tours. Donc on a un mec qui fait des dégâts et un autre qui assomme. Très très bien. L'équipe de choc. Ce qui veut dire que du coup... Ouais, va falloir essayer de leur faire le plus mal possible. On va commencer par défoncer un peu celui-là. En fait, ok, donc là on avait notre sort de coiffe. Maintenant on a notre sort de bouclier qui apparaît. Intéressant. Bah du coup, lui il va se faire assommer, il va se faire défoncer la tronche, mais... Tant pis, on va prendre l'attaque sacrée quand même. Donc on est paralysé, hein. Alors, deuxième attaque, ok, deuxième attaque, il vole de la vie. Et oh, il a une provocation ce connard. Très très bien. Intéressant. Ce qui veut dire que du coup, tous les dégâts qu'on va lui faire maintenant, bah au final, sont presque perdus, puisque derrière, il va voler de la vie. Merde, ça c'est chiant par contre. Du coup... Ah oui, je peux pas le sélectionner vu qu'il est assommé, bien sûr, je suis con. Bah du coup, en fait, on retiendra qu'il faut plutôt attaquer celui-là, et on va...
plutôt commencer à diminuer lui. Donc là il va se voler un peu de vie. Donc il a provocation, donc on est obligé de l'attaquer maintenant j'imagine si je sélectionne un truc. Ouais, je peux sélectionner que lui, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a en position des mains? Augmenter l'attaque de la cible. Ou alors un petit peu de soin. Donc c'était elle qui était spécialisée en terre, hein. Son attaque est terre et lui son attaque est de vent. Bah du coup, vu qu'elle a commencé déjà à être boostée, on va augmenter encore un peu son attaque. Donc ça, ça sert à rien. Par contre, on peut mettre un petit briseur d'hôtel. Qui m'a l'air très très intéressant. Et un peu de soin. Allez, un peu de soin. Ok, il nous charge. Alors, tour du joueur. Donc du coup, c'est maintenant c'est au tour de Nephi d'être assommé. En face, on a le tonnerre de nouveau et le paratonnerre qui inflige des dégâts à tous les ennemis. Bien. On est sur des mecs sympathiques. On a deux charges blindées. On va les claquer. Hop, voilà. Et une deuxième. Alors c'est de la terre, mais on a pu voir que ça, elle a un petit peu moins de défense, Nephi, donc ça fait quand même moins de dégâts malgré ça. Du coup, on va continuer de leur taper dessus, tant qu'à faire. Et je pense qu'elle va être tout à fait adéquate pour en terminer elle. Alors on a quoi? Bénédiction d'armure. Ouais, elle a quand même encore 200 PV lui. Hein. Et ils vont se concentrer sur lui. Malheureusement, c'est du vent. Donc l'idéal ce serait que ce soit lui qui la lance, et il le peut pas. Du coup on va devoir continuer de taper. Faut qu'on heal un peu parce que mine de rien là... Ah, on a fait un coup critique de heal, c'est plutôt cool. Alors le coup sournois n'est pas très utile. Vu qu'il va se prendre toutes les attaques, je pense qu'on va quand même lui mettre une bénédiction d'armure, tant pis même si on n'est pas vent, c'est pas grave. Et on va caler une attaque à visée sur un coup critique, non, malheureusement c'est raté. Alors, il va continuer de se healer, et ici il va infliger des dégâts à tous les ennemis. Alors là on a un estoc. Alors c'est marrant hein, parce que du coup elle a plus d'attaque on dirait. Enfin, elle fait des bonus de vent malgré que lui ait une arme de vent. Alors que lui fait des meilleurs dégâts de terre malgré qu'elle ait une arme de terre. C'est un peu particulier. Mais bon. Donc ça c'est s'il a une bénédiction de défense supérieure à 14%. Le bug, non, le bug, on s'en fout un peu. Alors, on va essayer 48, on peut se le faire. Nickel, un coup critique, il est mort, ça en fait déjà un de moins. Il nous reste plus qu'à focus lui. Il va essayer de voler de la vie à elle. Donc augmenter son armure. Et du coup maintenant qu'elle a une bénédiction de défense, ça fait 51 de dégâts pendant 2 tours. Se faire plaisir. Moins 80, nickel. Un petit soin, allez, un petit soin. Hop là, coup critique de soin, c'est parfait. L'attaque maudite. Attaque inflige des dégâts à la cible et réduit son attaque de 15%, pas mal. Ou du soin. On va commencer par le soin. Hop, voilà. Et ensuite on va faire la petite attaque maudite des familles. Derrière il nous reste 2 points, donc on peut utiliser le briseur d'hôtel. Il devrait crever du coup avec le voilà les dégâts. Nickel. Ah ils sont badass hein, mine de rien les petits cons là. On a de la poudre, on a un retour de flamme.
On a un abus de brèche, ok. Très très bien. Ici, il faudrait qu'on casse ça. Ensuite, lui, il pose un truc là. Très très bien. Je pourrais faire tourner lui, mais ça n'avance à rien, malheureusement. Donc on va poser ça là, et on va aller activer ce truc. Ok, ça nous fait des dégâts. Ok, ça fait des dégâts à tout le monde. Ça fait des dégâts à eux. Les autres, j'ai pas eu l'impression. Mais bon, ça veut dire qu'on peut quand même. Il nous faudrait. Si on met une case là, on peut aller chercher les deux dalles là. On va pas se gêner. Rotation de dalles. Ouais, bon, okay, ça nous dérange pas trop. On va aller chercher cette pile là. Ah. Nickel. Ensuite, on va aller chercher cette pile là. Là ils sont 3 quand même, hein, donc ça peut être la violence. Bon, c'est des petites merdes qui sont avec lui, enfin ouais, 350 PV, c'est des petites merdes boostées aux hormones, mais ça reste des petites merdes. Alors est-ce que protéger Marcus, ça veut dire qu'il faut qu'on aille le voir? Ouais, je pense, hein. Du coup on va passer par un roule, on va aller prendre ce coffre, se faire ces deux là. Peut-être avancer par là, on va mettre une dalle ici avec mon dernier truc. Ok, il nous l'a détruit direct, et ben parfait. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. On va profiter de ça, on va choper ce truc là. Alors, on trouve une pioche de cartes, cool. Une potion de soin et de la poudre. On prend tout. D'ailleurs, il me semblait que j'avais déjà des trucs de mon inventaire. Moi j'ai peut-être. On s'est peut-être débarrassé à un moment, je ne sais plus. On va tourner cette dalle là. Hop, voilà. Ensuite, on pourrait poser ça tout de suite. Ça nous fera un petit combat pas très compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on a? Du soin, une charge blindée, une attaque sacrée et une autre charge blindée. Donc c'est lui qui a le plus de défense. Après, l'attaque sacrée fait plus de dégâts. Boum. Et l'attaque tranchante derrière fait bien mal. C'est parti. Derrière, il prend un vol de vie. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est un petit soin. Ah, on est étourdi en plus, du coup on n'a pas le choix. La cible à une manipulation d'attaque, c'est pas le cas. Et on augmente la défense du lanceur. C'est nous qui allons être attaqués, donc tant qu'à faire, on va prendre ça. Et puis on va continuer de heal. Hop, voilà. Et là, il faut qu'on lui tape dessus. Du coup. On pourrait caler deux charges blindées, mais ça va pas le tuer. On a trahison. Ah oui, c'est vrai. On va monter sa défense pour que ça se passe mieux. En plus, on a fait un coup critique, c'est parfait. On va caler une charge blindée et une attaque standard. Voilà, c'est toujours un peu de dégâts. Ouf, il fait un coup critique, le con. Alors, on a un coup sournois ici. Du coup, ça pourrait être intéressant de faire une imposition des mains. Tiens, c'est marrant, ça monte pas. Même si c'est de la terre, ça ne monte pas, c'est pas grave. Derrière, elle peut caler un petit coup sournois qui devrait faire un peu mal. Parfait. Et un soin. Ah, et du coup, la charge blindée. Ah, bah oui, on pourrait monter la défense et ensuite faire la charge blindée, c'est pas con ça. L'attaque à viser, allez, l'attaque à viser, c'est ce qui fait le plus mal. Ouf. Il nous a stun. Bon, on va le finir. Hein. Alors, on a altruisme, 16 points de vie.
Ça nous change pas grand chose et ça peut nous aider mine de rien. Et c'est parti, on se le fait. Voilà. On gagne un arc électrique, inflige 28-43 de dégâts à tous les ennemis et réduit leur défense de 5% pendant 2 tours. Ah, pas mal. Pour l'instant, on n'a pas ce qu'il faut. Alors, on pourrait combattre lui directement. Ça me paraît pas déconnant, parce que sinon il va nous sauter dessus. 1, 2, 3, non, il peut pas nous sauter dessus. On va quand même aller le combattre tout de suite. Ils sont, je crois que c'est deux loups. Hein. Pour l'instant, même si on n'a pas un niveau de vie de fou, on s'en tire plutôt bien. Alors, réduire son attaque. Ah bah on a altruisme, on va commencer avec altruisme du coup. Ah ils avaient pris des dégâts, j'avais pas fait gaffe, bah tant pis, on les a soignés. La charge blindée, on a une bénédiction d'armure également, donc on va mettre la bénédiction d'armure. Hop, voilà. Et derrière on va pouvoir mettre la petite charge blindée. Nickel, un petit coup critique. Plus celle qui prend, donc tant mieux pour l'armure. On a un tonnerre et un arc électrique. Ok, ils vont nous tabasser. Donc là on a un petit combo, on pourra mettre une attaque maudite suivie d'une attaque avisée. Donc on va prendre l'attaque maudite. On va le foutre sur lui. Hop. Et derrière du coup on va piocher une carte grâce à ça. Pas mal, hein, pas mal, pas mal. Il nous reste deux actions. On a un Nesto. Et alors les stocks, je crois que c'est elle qui fait. Non, c'est pas. C'est elle qui fait le plus. De... C'est lui qui fait le plus de dégâts avec l'attaque sacrée également. Si on fait des bons coups critiques, on peut peut-être se débarrasser de lui. J'y crois pas trop. Alors non, on va faire dans l'ordre. On va d'abord prendre l'attaque sacrée pour augmenter notre attaque et derrière, on va mettre un Esto un peu violent. Ça n'a pas suffi, dommage. Oui, on a été stun, ça va être le moment de soigner. De toute façon on a que ça, donc on va soigner. Pourquoi elle a pas son bonus élémentaire là? Il doit y avoir un truc qui a changé aussi dans le... dans les trucs de bonus. Peut-être que c'est le... peut-être que c'est l'élément du dernier truc d'équipement qu'on a utilisé qui joue. On va essayer, on va attaquer avec le briseur d'hôtel pour tester. Non, on n'est pas passé en. On n'est pas passé en terre. Est-ce qu'on pourrait pas tuer celui-là là quand même, hein, histoire d'éviter qu'il nous fasse une attaque gratuite, tant pis. Allez hop, on va utiliser un peu trop de dégâts mais c'est pas grave. Pendant ce temps-là on se soigne. Donc c'est toujours pas ça qui est actif. Donc j'ai quand même l'impression que c'est ce truc là qui joue en fait maintenant. Intéressant. Ah non, là c'est devenu actif. Bah non, on a même pas marqué bonus élémentaire activé. Il y a quelque chose qui m'échappe, mais c'est pas grave. L'autre il est quasiment full vie, on va donc se permettre de soigner un peu aussi. Augmente l'attaque de la cible. Et derrière on lui fait un briseur d'hôtel. Oui, faisons ça. Voilà, 83 de dégâts, ça fait plaisir. Il nous fait un coup critique aussi, il nous stun, pas de chance. Du coup on peut pas utiliser le coup sournois. Mais on peut mettre l'attaque sacrée. On va donc le faire. On peut également soigner un petit peu. Et ensuite on va finir avec de la frappe standard. Qui reste quand même plutôt efficace. Alors, bénédiction d'armure, on est stun, donc on peut pas profiter de son bonus. On va donc se blinder nous-mêmes. Et on peut du coup faire ça.
On va mettre un heal. Ah, si je fais ça, je pourrais pas me servir de mon dernier point. On va donc plutôt faire une charge blindée. Et il va mourir, tant pis, on a gâché entre guillemets un heal, mais au moins on n'a pas encaissé une autre attaque. Alors, on a un bouclier de diamant rare. Pas mal, on a la meute. Augmente de 10% l'attaque de tous les alliés pendant un tour et de la poudre. Eh bien, c'est très bien. Il rotate une dalle. Ok, on s'en fout un peu. Ça nous aurait bien aidé, cela dit, pour contourner ce truc-là. Du coup, on va être obligé d'utiliser deux dalles. Ça fait un peu chier. Et l'autre, il fait 4 de mouvement, lui. Hein. 1, 2, 3, 4. Ce qui veut dire qu'on va aller ici pour être à peu près safe. Et derrière, on peut l'attaquer. On a encore 11 dalles, enfin 11 cartes hors combat. Donc ça va, on n'est pas non plus trop dans le mal. Alors, il commence avec deux trucs qui volent de la vie. On a un retour à la maison ici. Pour renvoyer une carte dans notre deck. On va renvoyer une attaque sacrée, je pense. Comment ça marche? Ok, choisir. On va renvoyer attaque sacrée tout simplement parce que pour l'instant, on n'a pas trop d'intérêt à avoir de quoi attaquer vu qu'ils vont se soigner. Alors là, je vois pas. Franchement, là pour l'instant, je comprends pas le coût du bonus élémentaire activé ou pas. Là. Un truc m'échappe, mais bon. On va soigner. Hop, histoire d'être vraiment full vie. Et on va au moins augmenter un petit peu notre défense, même si ils vont se heal, c'est pas grave, on aura au moins ce bonus là. Alors derrière, un stun et l'arc électrique qui touche tout le monde. On a trouvé une imposition des mains, cool. On pourrait augmenter l'attaque. Ça c'est si elle a une malédiction d'attaque, donc pour l'instant c'est pas très intéressant. Lui il fait 43, donc si on monte son attaque 55, du coup on a réussi un coup critique, on fait très très mal. On va donc se focus sur lui. 75 d'attaque là, ça pique. 95 on a de puissance, ça fait plaisir. On peut mettre une dernière attaque, voilà, on lui a bien fait mal mine de rien. Lui aussi. Alors, malheureusement on peut pas profiter de son gros buff. Par contre on a l'attaque maudite, qui peut être pas mal, d'autant que lui va encore attaquer tout le monde. On va lui balancer une petite attaque maudite. Enfin, toujours un peu moins de dégâts. Ensuite on a quoi? Une attaque sacrée. Le briseur d'hôtel. On va se heal un petit peu et augmenter notre défense pour encaisser parce qu'on va se faire. On va se prendre toutes les attaques là. Et on peut utiliser ce truc là du coup. Pour piocher une carte. Parfait. Et on commence à perdre un peu de vie par contre, hein. Il va être temps qu'on heal un peu. Alors, le problème c'est que j'aimerais bien que ce soit elle qui heal. Donc on va essayer de se débarrasser de ce con assez vite. Hop, voilà, et une frappe. Voilà, qui est fait. On n'a pas de bénédiction de défense, donc on va se contenter de frappe basique sur sa tronche. Ouh, le coup critique, la vache, la violence. Alors, on va utiliser notre petite potion. Et toi, il faut que tu soignes, là. Voilà, fais-nous des coups critiques des familles. Comme tu peux, en tout cas. Bénédiction de défense, on n'a pas. On va donc, du coup, devoir y aller à l'ancienne. Aïe.
n'a plus beaucoup de cartes. Ça y est, on a nos bénédictions d'armure qui tombent. En plus, c'est elle qui va prendre l'attaque. Donc du coup, on va pas se gêner. On va la booster un max. Ce qui va permettre de faire un petit coup critique et de mettre un bon malus. Et on va se contenter d'une petite frappe ici. Ok, il a fait un coup critique, il a fait que 36, hein, ça fait plaisir. À elle du coup, elle va pouvoir mettre un petit soin de nouveau. Un petit coup critique peut-être, non. Et je pense que les charges blindées, ça devrait faire le taf. Ouais, parfait, il va crever. Il va crever. On va lui mettre une dernière frappe et c'est fini. Bon, on a quand même souffert, hein, on va pas se mentir. On gagne un soin rare, c'est cool. Un endurcissement et encore de la poudre. Alors, il nous reste deux actions, ce qui veut dire qu'on peut aller chercher ça tout de suite. Attention au fait qu'on a des dalles avec des monstres, hein, donc l'autre il pourra très bien, voilà, faire un truc comme ça par exemple. Bah on va être obligé de le combattre, sachant qu'il faut qu'on aille par là-bas avant d'aller le chercher si on veut avoir le truc bonus. C'est quoi ce machin? Créer des murs sur la dalle ciblée. Ah bah, écoute. Hop, voilà. C'est cadeau. On se prend une point d'action supplémentaire et du coup, ce qu'on va faire, c'est se créer un petit chemin par ici. Voilà. Ah, il va sûrement détruire les murs ici, là, faut qu'on fasse gaffe. On a activé les foudroyeurs, on gagne 75 de poudre bonus, et il nous reste 2 actions, ce qui est largement suffisant pour aller chercher Marcus. L'Africain! Le Gaulois! Eh, je suis Romain! Et moi, Américain! Moi, je suis Africaine, par contre. Par Mercure, que je suis content de te retrouver! Tes gros bras m'ont manqué. Je te présente Néphis, une princesse égyptienne du 16e siècle avant Jésus-Christ. C'est quoi un Jésus-Christ? C'est... un jeune influenceur qui a fait un peu parler de lui mais qu'on devrait très vite oublier. Enchanté, auguste patricienne, je suis Marcus, légionnaire romain du 1er siècle. Décidément, les limbes sont petites. Le Dungeon Master n'a qu'à bien se tenir. Carrément, on a donc réussi à choper Marcus qui vient avec son équipement habituel. Alors, il ajoute 25% de dégâts au sort offensif joué par ce personnage et il ajoute un point d'action en combat. Ah, et elle a ce truc là qui donnait plus de... Elle ajoute 25% au sort de soins joué par ce personnage, j'ai oublié ce détail. C'est cool, c'est très très cool. C'est ma foi très très cool et du coup... Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Très bien. Bon, ça c'est scripté. Hein. Il semblerait que le donjon de Master ne souhaite pas te voir partir. Tiens bon, je tente de t'ouvrir une brèche. Et ben du coup on est 3, on est tout seul. Bon, lui il est un peu à poil, on n'a pas eu le temps de l'équiper encore, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que tu fais de beau? Un truc de feu. Très bien. Il a une litanie de soins. Rend 15% de points de vie à la cible à chaque tour pendant 2 tours. Ah bah ça va être quelque chose qui va être très très intéressant sur Néphis. Hein. Mais qui pour l'instant n'est pas franchement utile. On va faire un premier soin ici pour éviter de crever sur un coup critique dommage. Et après on a quoi? Lui il fait 43 d'attaque. Imposition des mains, augmente de 40% l'attaque. 35, ok donc lui... un beau bonus pour augmenter l'attaque. On va donc augmenter l'attaque de lui et commencer avec une attaque sacrée qui fait un peu mal. Et derrière, on va pouvoir enchaîner les frappes pour l'entamer. Aïe. Il se focus sur nous, ce petit con. Ici, on va faire un soin du coup. Ah, on est stun en plus. Fuck.
Et ils continuent de nous attaquer. Dommage, on perd nos 64% d'attaque, mais bon. On va faire un briseur d'hôtel. On a 5 points d'action maintenant, ça c'est cool. Titanie de soin. On va tester, tiens. On va le mettre sur lui. Alors, on est toujours stun parce qu'il continue de nous stun. On a le coup sournois, mais c'est pas très utile. On va faire, je pense, une attaque tranchante avec Nephi. Donc on dirait que dans cette zone, il va nous falloir des trucs qui enlèvent la paralysie. Hein. Ou qui la mettent, je ne sais pas. Mais non, on a deux attaques sacrées, on va pouvoir le terminer normalement. Non ? Oui, peut-être. Pourquoi tu ne veux pas ? Ok, je devais misclick, pardon. C'est une victoire, on gagne provocation. Hein. Il va falloir qu'on retravaille nos builds. Alors, il faut qu'on le protège pendant 7 tours. Alors ça c'est quoi ? Cercle d'invocation. Ok, il va nous invoquer des saloperies sur la tronche. Savais-tu, Auguste Patricienne, que l'Égypte devient romaine dans ton futur ? Et comment le pourrais-je ? Dans le tien, Marcus, Rome tombe sous la coupe de toutes sortes de tribus barbares. Oh. On n'a pas de dalle piège. Et en plus, on dirait qu'on ne peut pas bouger la map. Très bien. Donc il faut qu'on tienne 7 tours. Ah, on peut pas bouger. Ah si, on peut bouger. On va ramasser quelques dalles supplémentaires, parce que pourquoi pas. Alors, est-ce qu'il invoque des trucs ? Ah ok, en fait les monstres se téléportent... Waouh, la violence. On a malheureusement pas vraiment de moyens de se barrer. Il y avait un feu de camp ici. Ça sert à rien ça. Est-ce qu'on peut aller le combattre? On va aller voir si on peut au moins éviter qu'il nous tombe dessus par surprise. On dirait qu'on peut. Ce sera toujours ça. Alors, deux loups et une petite saloperie. Affaiblissement. Ok. Tonnerre et une morsure qui vole de la vie. Et on commence avec quoi? L'attaque maudite. La charge blindée, la charge blindée. Donc toi t'as 24, c'est tout pourri. On a une imposition des mains qui augmente l'attaque par contre, ça c'est cool. Donc toi, tu peux utiliser l'imposition des mains pour qu'on puisse faire une attaque maudite sur lui par exemple. Il va stun notre pote. Du coup, imposition des mains. Le coup massif ça fait quoi? Juste des dégâts, ok. Il y a peut-être un bonus de stun, un truc du genre, mais... On va focus celui-là, voilà, il fera un peu moins de dégâts comme ça. Alors, pioche une carte, non. Voilà, charge blindée, on va attendre d'avoir de quoi le... faire un peu de dégâts avant, en boostant la défense de quelqu'un. Aïe. Mais enfin lui, hein, il a pas des masses de vie. Hein. Ok, on a un soin. On va se lancer un petit altruisme. Tant pis, on va foutre 16 de vie à... Oh putain, on a fait des coups critiques de soins sur les ennemis, bravo. C'est pas grave, ici. Encore un petit coup critique. On va profiter qu'on a ce sympathique petit bonus de dégâts. Pour continuer de savoir un bonus de dégâts. Donc lui il est stun. Allez. Soigne-toi un peu. Oh là là. Coup critique à la con. Euh,
On a toujours pas de quoi gérer les charges blindées, c'est bien dommage, en plus ils nous baissent notre défense. Bon par contre, on doit pouvoir défoncer celui-là je pense. Maintenant un petit testo, hop voilà. Après on a le coup massif, bon ça coûte 2 cartes pour des dégâts qui sont somme toute assez faibles. Alors qu'ici avec notre bonus de dégâts, je pense qu'on doit pouvoir se le finir avec un peu de bol. Oh, c'est pas passé, sérieux. Ah, il nous reste une attaque. Go. Finis-le. Voilà, un de moins déjà. Putain, le coup critique. Oh la vache. Ça picote. Ouais. Ça picote, ça picote. Ah, puis du coup il a un vieux malus de défense. Alors derrière il y a lui qui va encore faire mal hein. Avec un esto. Ce qui veut dire que pas le choix, faut qu'on commence à lui taper dessus. On va prendre la bénédiction d'armure sur lui, tant pis, j'aurais préféré la mettre ailleurs mais c'est pas grave. Et du coup, on a cette attaque qui fait quand même un peu plaisir. Toi, t'as quoi? T'as pas de soin, toi? Non, t'as pas de soin. Allez, une frappe, voilà, avec notre bonus. Ah, il va attaquer tout le monde, lui. Putain, ah, on a eu un soin, cool. 7 tours, faut qu'on tienne, hein. T'aurais tendu du string, hein. La vache! La vache, la vache, la vache. La charge blindée, on a une nouvelle bénédiction d'armure, ça c'est cool. Qui c'est qui met le plus de bonus? C'est toi. On va booster sa défense et du coup la charge blindée commence à faire des dégâts à peu près corrects. En plus on peut utiliser ce coup sournois. Bon, qui fait pas des masses mais ça reste intéressant. Aïe. On a plus que deux cartes, on va même pas réussir à les buter, c'est con. Ok, du soin. C'est lui qui va prendre les deux prochaines attaques, donc c'est lui qu'on heal. Après on a quoi? De quoi faire un peu de dégâts là. Et un peu de dégâts, il va crever, parfait. Donc il reste plus que lui avec son heal. Qui va être désagréable à tuer, hein, clairement. Qui c'est qui l'attaque? Elle. Bah, du coup on va y aller à coup de briseur d'hôtel. Une attaque tranchante aussi. Attaque est visée. Si la cible a une malédiction d'attaque, c'est pas le cas. Là on a le bug. Inflige dégâts à un allié augmente les chances de critique. Non. Ah, il faut qu'on y aille comme ça. On a quand même 5 attaques, hein. Même si bon, on fait que les dégâts minimum parce que pourquoi pas. Aouh. Alors qu'est-ce qu'il fait après? Putain, il va faire une attaque de vol de vie sur lui. Ah, l'enfer. L'enfer, l'enfer. J'ai l'impression que le bonus élémentaire s'active des fois, mais pas toujours. Alors il fait 21-43 du coup avec son bonus élémentaire, mais ça compte, ça coûte deux actions. Alors que lui il fait 16-33, ça coûte une seule. C'est quand même plus intéressant, hein, malheureusement. Attaque à viser, ça fait 27-41, on se pioche une carte en même temps, ça fait quand même plus de dégâts. Et on n'a aucune carte à piocher de toute façon, donc l'un dans l'autre. Autant l'utiliser. Oh, putain, 18 quoi, mais sérieux. Allez, si tu fais 32, on le finit. 28, bah non, il a 4 PV, il va faire une attaque de heal qui va pas le tuer mais de justesse, mais il faut absolument qu'on le tue ce tour là par contre. Allez, fais pas le con. Ok. Bon par contre,
C'est tendu. On a eu un esto, un parchemin de sort qui nous donne soif de sang. Ah, c'est pas mal. Drain 45-75 points de vie à tous les ennemis. Une petite potion, des guêtres blindés et de la poudre. Encore 6 tours. Large, ultra large. Franchement. Tu sais où c'est les Amériques, patricienne? Non, mais de mon vivant, même ton pays à toi n'était qu'une vaste étendue sauvage. C'est à l'ouest. À l'ouest de l'Égypte, vers Carthage? Non, à l'ouest de l'océan Atlantique. Ça les inspire pas, apparemment. Tu es un Atlante? Peut-être que les locaux étaient des Atlantes à ton époque? Bon, si on y est dessus, visiblement, il n'invoque pas de saloperie. Ça, ça sert à rien. Détruire des murs, ça sert à rien. On va aller à l'armurerie, dans l'espoir de voir si on peut pas gérer un peu mieux l'équipement. Là. Alors, par exemple, toi tu serais bien avec un peu de défense. Un parchemin de sort, donc ça c'est une arme ça? Non. Ah non, ça va là? Ah, ça va là, d'accord, ok. Bah cela dit, ça serait peut-être pas mal que t'aies ça quand même, hein, pour te soigner. Parce que le bug du bouclier de diamant, voilà quoi. Après, je crois que toi t'avais un bouclier de diamant commun, donc tu vas prendre le rare, hein, ça fera pas de mal. Au niveau des cartes, on va prendre un soin de plus. Ah, on dirait qu'ils ont réglé le bug, comme quoi on peut en prendre... On peut en prendre plus que 15, très bien. Bah, vu qu'elle est un chouïa meilleur, c'est 16%, on va remplacer un soin de 15% par un soin de 16%. Au niveau du reste, on a eu un esto rare. Qui fait 36, et lui il fait 46, on va remplacer celui-là du coup. Le soin non, arc électrique... C'est des flammes, hein. Un retour de flammes. Inflige des dégâts à la cible, mais le lanceur reçoit des dégâts. Non. Inflige 30-45 points de dégâts, inflige deux fois ses dégâts si la cible a une malédiction de défense supérieure à 14%. Alors, une malédiction de défense. Est-ce qu'on a quelque chose qui met une malédiction de défense? Non. Réduire défense de 5%, augmente de 10% attaque de tous les alliés. Alors, par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est enlever ce truc-là pour le mettre sur elle. En plus, comme ça, elle pourra donner des soins un peu plus efficaces. Et lui, il aura un truc de... une attaque de flamme un peu énervée. On n'a pas d'armure en rab, c'est bien dommage. Franchement, c'est bien dommage. Au niveau du deck, du coup, endurcissement, augmente la défense des alliés, assez de l'eau. Un truc pour piocher des cartes. Voilà, provocation, pareil, de toute façon c'est tendu, on peut pas vraiment se permettre d'avoir quelque chose qui focus... Je n'arrive pas à croire que mon meilleur ami est un Atlante. Je suis quand même d'origine africaine et mon père était un blanc, un Gaulois comme toi, quoi. Je suis cousin avec un Atlante. Hey, c'est un sacré numéro ton copain, tu le sais ça? Ouais. Ils vont nous sauter dessus, c'est con. Faut qu'on se barre. On va retourner là. Non, on va aller. Si, on va retourner là. Ah merde, il y a quelque chose qui va sortir. Tirons-nous. Cette violence. On n'a toujours pas ce qu'il faut. Faudrait qu'on puisse se tirer en fait. Puis détruire derrière, mais on n'a rien pour détruire des murs de toute façon. Est-ce qu'on a un endroit à peu près safe? Si on partait par là, on aurait cette saloperie à tuer. Sinon, on peut partir. Ah, je sais pas ce qu'il faut pour. Faire partir par de ce côté là. En plus avec leur quête de mouvement ils vont nous sauter dessus. Hein.
Ce que je peux faire, par contre, c'est m'enfuir par le chemin que j'ai déjà ouvert. Ça, c'est quelque chose d'envisageable. Allez, encore 3 tours à tenir. Est-ce que ça vaut le coup ça? Non, ça vaut pas le coup. On va commencer à aller chercher ces dalles là plutôt. Encore quelques instants, surtout ne baisse pas les bras. Ah, je vois bien parce que l'épisode est un peu long du coup. J'espère que la faille va pas apparaître genre là parce que ça va être la merde sinon. Allez, on court. Prenons ces dalles. Ah putain, il y a un truc d'invocation, faut qu'on le foute loin. Voilà, on le foute là. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont visiblement trop loin pour nous détecter. Ah, encore un truc d'invocation. On n'aurait pas 38 PV avec lui. Je tenterai le combat, ça ferait toujours un peu plus de loot, mais... Si, j'ai bien compris, vous venez tous du futur. Ah non, c'est vous qui venez du passé. Je suis un peu perdu, moi. Je suis où, moi, chronologiquement, par rapport à vous autres? De toute façon, le temps n'est le propre que du vivant. Dans la mort, la loi est celle de l'éternité. Ah, c'est intéressant. Je vais y réfléchir. Pourquoi je peux plus bouger? Allô? Ça y est. On va ramasser ces dalles. Avec un peu de bol, on aura des trucs cool dedans. Non, pas vraiment. On commence à aller par là. Ah merde, le con. Ça y est, j'ai réussi. Prends tout de suite ce portail, je suis à bout de force. Allez, faut qu'on... Ah putain, il a traversé ce connard. Merde. Ah putain, alors toutes ces saloperies à combattre, ça va être chaud. Ah, tant pis, on n'a pas vraiment le choix malheureusement. Est-ce qu'on peut le contourner? Non, on n'a pas ce qu'il faut pour détruire les murs. On n'a pas ce qu'il faut pour le bloquer. Non, faut qu'on le combatte, sinon on va nous tomber dessus de toute façon. Bah go hein. Go go go. Alors, il y a lui qui va attaquer avec une attaque sacrée. On a du soin, c'est la bonne nouvelle. On va recommencer par ce heal. Utiliser notre petite potion. Alors, on va attendre un peu pour le reste. Alors du coup, 39 d'attaque sacrée, 43 d'attaque sacrée. Faut qu'on bute cette petite merde là. Toi t'as pas aggro la litanie de soin, non. T'as pas aggro la litanie de soin. C'est parti, on fait mal. Pas tant que ça, mais un peu quand même. Et on n'a pas... Je vais attendre de voir qui c'est qui prend avant de soigner. Sérieusement, ça va être tendu. Ah, ils ont tous les deux de la provocation. Très très bien. Une charge blindée. Alors, on a un petit peu de soin. On va soigner lui. Qui va prendre un truc. 40 de charge blindée, c'est pas ouf. J'aimerais bien autre chose. Ici, il faut qu'on active ce truc. Donc on va renvoyer la charge blindée. Voilà, on obtient une attaque avisée. Alors sachant que eux, ils ont absolument pas de malédiction d'attaque, ça va être la violence. Piocher une carte, franchement, on s'en fout un peu. On va continuer de faire mal à lui. Je sais pas comment ça va se passer la double... La double provocation du coup.
J'imagine qu'on va être obligé d'attaquer l'un des deux. Alors, on a une bénédiction d'armure. Parfait. Qui c'est qui va prendre? Ah merde, putain, tout le monde. Oh la vache. Allez, on va crever. Hein. Là, 52 dégâts. Ouah, putain, on va crever. C'est pas grave. Restons concentrés. On va soigner du coup ceux qui sont le plus dans le mal, à savoir toi. Et toi. Et ensuite, il nous reste assez pour... une bénédiction d'armure. Bah, c'est moi qui vais le faire le plus mal, donc on va la prendre. Et en plus, on peut attaquer tout le monde en traversant la provocation. Aïe. Aïe. Ouh là là, elle a survécu de justesse. Mais on n'a plus de soins. Alors, on a une autre charge blindée. On va se faire plaisir tout de suite. Nickel, coup critique. Il reste 12 PV. Une petite bénédiction d'armure. Elle va se faire défoncer, alors. J'ai pas l'impression qu'on risque de la sauver. 40% imposition des mains, vas-y. Envoie-nous du rêve. Alors, on va pas utiliser ça sur... De toute façon, on peut pas l'attaquer, donc on risque pas de le faire. Aïe. Ok, donc Nephi tombe. Il a plus que 17 PV. Une attaque maudite. Oh là là. Attends, on va perdre sur la fin, quoi. Vous êtes sérieux? Non, inspection de défense. Donc ça, ça serait quand même pas mal, le coup sournois. On va faire sur lui. On va finir celui-là, ça fera un peu moins de DPS. On va faire une attaque maudite sur lui pour qu'il fasse un peu moins de dégâts, même si de toute façon il va en faire un max. Il va galérer à s'en sortir. Tout seul là, il y a quand même du monde en face. En plus on n'a plus de cartes, nickel. On est donc réduit à nos petites attaques à la con. Ah la vache. Donc lui devrait crever par contre du coup. Voilà, parfait. Avec son 71, d'ailleurs j'aurais peut-être pu lui taper un peu moins dessus. L'avantage c'est quand les autres meurent, on ne perd pas le... les attaques supplémentaires. 30, allez, ça jouera pas grand chose. On tape. On tape. Ah oh, putain, on va pas réussir à se le faire quoi. Allez, un critique. Oh, il tombe. Alors, on gagne rejet. Une carte à retirer de votre main et inflige 60 dégâts à tous les ennemis, ok. Éruption solaire, inflige 54 dégâts à la cible, augmente les chances et le multiplier de critique du lanceur. Un autre rejet et de la poudre. Alors est-ce qu'on perd du coup? Échec et merde. Ok, bon bah du coup de toute façon on va arrêter cet épisode là, il est suffisamment long, bien trop long. On en sait un peu plus et en plus on a quand même gagné de la poudre. Du coup on va réessayer je pense sur du prochain épisode, c'est toujours aussi dur ce jeu, ça fait plaisir de voir que ça n'a pas changé. J'espère que ça vous aura plu en tout cas et on se retrouve du coup très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.